J'avais quitté mon corps. Je flottais en l'air. Je suis mort ou quoi? Les gars! Vous êtes où, bordel? Y'a quelqu'un? Merde! Faut pas rester là. Faut trouver les pièces et mettre le plan à exécution. Vous avez vu ces espèces de passages? Je vous laisserai pas approcher. Des poissons doublés. Avec ça, on va pouvoir faire un vrai carnage. Tiens. Qui bordel? Me touche pas avec tes doigts pourris. Dégage ton cul de là. Tes gars ont bien bossé, Don Juan. C'était pile à l'endroit prévu. Pourquoi y a un loup sur le mur? Il la voit, ce clébard. Qu'est-ce qu'il fout? Il essaie de nous dire quelque chose? Tu l'as voulu? Tu l'as eu! Hey, les gars, j'ai trouvé les bonbonnes d'oxygène. T'as appris la leçon? Pas de chance. T'as plus de tête pour t'en rappeler. J'ai le moteur. Ah merde, qu'est-ce que c'est lourd! Hey, j'ai trouvé les valves de contrôle. Ça va paraître dingue, mais je crois qu'on peut utiliser ces interrupteurs pour quitter nos corps.
Ton engin a intérêt à décoller, la fouine. Hein? On dirait que notre clébard s'est tiré. On est libre, les gars! Accrochez-vous! On fonce droit sur une tempête! J'ai pigé, la fouine! Je sais ce que t'as fait! T'as foutu quelque chose dans ma bouffe! Un truc qui me file toutes ces hallucinations! Ce que je sais pas, c'est pourquoi t'as fait ça. Ouais, j'ai tout pigé, la fouine. Et je peux te dire que toi aussi, tu vas comprendre, quand je vais me réveiller. J'ai un jerrycan. Il a son compte. C'est bien parti! J'ai trouvé un autre jerrycan! C'est bien parti! J'ai trouvé un autre jerrycan! Il s'est passé un truc? C'est quoi, ça? C'est bien parti! J'ai trouvé un autre jerrycan! Ton engin a intérêt à décoller, la fouine. On est libre, les gars! Accrochez-vous! On fonce droit sur une tempête. Qu'est-ce que vous voulez, hein?
Non, 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 non. C'est tout ? Alors c'est ça. C'est juste ça. Je crois m'échapper, mais en fait, je m'échappe pas. Eh oh ! Je suis censé apprendre quelque chose de tout ça ? Répondez-moi, enfoiré ! Rentabiliser ces balles. Bon, c'est parti. On va en avoir besoin. J'ai un jerrycan. J'ai un jerrycan. Je crois que c'est ce qu'on cherche. Faut qu'on remette cette nacelle en marche. Les gars, j'ai trouvé quelque chose. Oh ! Y a quelque chose derrière l'affiche. C'est bien parti ! J'ai trouvé un autre jerrycan. Tu vas le payer, 872B. Ces enfoirés m'ont encerclé. C'est ton tour. Ton engin a intérêt à décoller, la fouine. On est libre, les gars. Accrochez-vous, on fonce droit sur une tempête. Il y a des monstres sur le pont aussi. Une fois que vous serez tous crevés en flûre. Je vais tous vous étriper. Mais c'est quoi ce truc ? Le début. Des poissons doublés. Au boulot. Il s'est passé un truc ?
Stanley Ferguson. Petit gamin à 4 âges de 1903. Merde, c'est carrément dingue. Aujourd'hui, je vais vous raconter une des histoires les plus intéressantes. Alcatraz a connu son lot de tentatives d'évasion, certaines plus audacieuses que les autres. Mais la palme revient sans doute à celle qui a été mise en exécution par 4 détenus le 31 décembre 1933. Ce plan délirant qui aurait été conçu par un prisonnier du nom d'Albert Arlington était aussi invraisemblable que son instigateur. Arlington, alias La Fouine, aurait convaincu 3 autres détenus qu'il avait échafaudé un plan infaillible pour s'échapper de l'île. Ce plan consistait à s'envoler littéralement à bord d'un avion de fortune conçu par Arlington lui-même. On ignore toujours comment ces criminels endurcis se sont laissés embarquer dans une telle combine. C'est le plus grand mystère de cette histoire. Ce qu'on sait en revanche, c'est que l'avion n'a jamais été construit. Le projet a rapidement été compromis par des disputes au sein du groupe. Les espoirs d'évasion anéantis ont alors fait place à des tensions qui ont provoqué une violente altercation entre Arlington et ses complices. Doté d'armes de fortune, Finn, O'Leary, Sal, Delica et Billy Donjean ont attiré Arlington sur le toit sous un prétexte innocent. Ils comptaient assouvir leur vengeance dans le sang. C'est donc ici, sous le ciel sombre et tourmenté de ce jour d'hiver, que le malheureux Arlington a trouvé la mort en se vidant de son sang sur le béton froid. Pour leur rôle dans le meurtre, les 3 criminels ont été condamnés à la chaise électrique. Justice a été rendue rapidement. Le 19 janvier 1934, matin, la peine capitale a été.